Tu vas pas me croire ce que le technicien Butécom a fait. En plus de ça, je dois payer 69 € parce que le technicien, il a pas trouvé la panne. Je te rappelle mon lapin, j'ai un appartement sur Metz. La semaine dernière, un locataire m'a appelé et m'a dit qu'il avait plus internet. Je suis intervenu 1 heure après et j'ai remarqué avec mon laser que la fibre, elle était cassée. Je me suis pas cassé la tête, j'ai sorti la soudeuse, j'ai refait la soudure. 2 jours après, rebelote, la fibre a été cassée. Mais là, du coup, j'ai appelé Bouygues Télécom. Et Bouygues Télécom ont refait la soudure. Mais ça, moi, je suis plus revenu pour vérifier. Parce que j'étais malade. C'était lundi. Et là, lundi soir, le locataire me dit que ça bug. Que la box, elle buguait. Un coup, ça marchait. Un coup, ça marchait pas. Et quand j'ai appelé Bouygues Télécom, ils m'ont dit qu'effectivement, ils avaient plus accès au service. Le lendemain, donc c'était mardi ou mercredi. Mardi ou mercredi, je sais plus. Il y a un technicien. Bon, par contre, il était super cool. Je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit que tout était nickel. Il avait pris le photomètre et dans l'appartement, il m'avait dit que j'avais 23. 23. Et moi, je trouvais ça excessif. Et il m'a dit que non, c'était dans la tolérance, que la tolérance était 25. Moi, je suis pas d'accord. Attends de voir le PD. Viens voir. Viens voir. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je crois que c'était le deuxième technicien. Donc là, c'est le PD, le point de branchement. Et regarde. 2 connecteurs rapides, mon lapin. Sur un corps de traversée. Et on se demande pourquoi mon locataire a des problèmes de signal. Sérieusement. Le technicien m'a dit hier que tout était nickel. Moi, personnellement, mon client, il a ça. Je l'enlève tout de suite. Je fais la soudure. Et quoi qu'il en soit, chez Free, on fait des photos. Des photos du PB avant et après installation. Ça, moi, on me l'interdirait. Hein. Je vais casser cette merde et je vais refaire une soudure. Et je pense que mon locataire, il aura plus de problème. Bah voilà mon lapin, c'est déjà peut-être un petit peu mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ranger maintenant tout ça et je vais aller chez le locataire, s'il est là, évidemment. Et s'il est là, on pourra calculer la valeur à la PTO. Là, on a 20,60.